Salut à tous, c'est Yator pour ce nouveau... Jean-Michel, on s'est pas encore présentateur là ? Non, Gogeta, tu t'es pas trompé, c'est bien Tarzan. Mais c'est quoi ce bordel ? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JDLP. Effectivement, ce n'est pas Panda aux commandes, mais bien Yator. Donc avant de laisser un pouce rouge, Panda a dit dans un de ses derniers JDLP qu'il ne pourrait pas assurer la réalisation des JDLP qu'une fois toutes les deux semaines. Donc peut-être que ce ne sera pas vraiment une fois toutes les deux semaines, mais je le ferai quand Panda ne peut pas. Et comme j'adore les JDLP et que ça me ferait profondément chier de ne pas en voir chaque semaine, je me charge de vous procurer votre dose de drama hebdomadaire, donc c'est parti. Donc on va commencer tout de suite par un sujet assez sensible, même si je me sens vraiment obligé de l'aborder, car c'est une grosse actualité, et pour un journal de la perf, c'est impossible de passer à côté. Donc on va parler de la fin de Monsieur le V12. Enfin, peut-être, mais je pense qu'on peut quasiment en être sûr. Donc pour les zéro personnes qui ne savent pas, Monsieur le V12 s'est fait hack son iPhone, et un hacker lui demande 35 000 $ pour ne pas lâcher les informations et photos qu'il a récupérées. Je vais pas plus m'étendre là-dessus, même si c'est une très triste situation, et je crois que tout le YouTube Game Code est affecté par son départ. Après 7 ans de bons et loyaux services, il arrête à cause d'un hacker qui mérite la prison. Bon bref, même moi ça me fait vraiment chier d'en parler tellement c'est nul à chier ce qui lui arrive. Petite mise à jour, j'ai écrit ce texte avant que Monsieur le V12 publie la vidéo « Mon avenir sur YouTube ». Il arrête YouTube pendant un mois et il ne pense pas revenir. En tout cas, il dit ne pas penser avoir la motivation de refaire des vidéos. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais je vous le dis, le hacker qui a fait ça, c'est un truc de ouf à quel point il est con. C'est un putain de bâtard. Et j'espère que tout le monde va en tirer une leçon et savoir que jamais rien n'est sécurisé sur Internet et qu'il faut faire très attention. On continue avec le comeback de Atek et Skizox dans la Aria Clan. Vous avez peut-être et même sûrement vu les vidéos des deux youtubeurs qui annoncent leur départ de la Aria Clan pour la Obscure Clan. Il s'avère qu'ils ne sont pas restés longtemps et qu'ils reviennent donc vous procurer un maximum de vidéos et de streams sur la Aria Clan. En parlant de la Obscure Clan, on ne veut pas passer à côté du départ de Nexstaz, Zeyrox et Razor de la team. Selon certains tweets, Nexstaz ne s'entendait apparemment pas très bien avec le leader de la team, Furox, car je cite « J'ai honte d'avoir un leader comme ça », dit-il dans un tweet posté le 30 janvier. Razor a également tweeté « J'ai quitté la Obscure » pour ceux qui veulent savoir. On passe à un sujet un peu plus joyeux, on va parler des débuts des streams de Telium sur la Aria Clan grâce à son boîtier 4G et ses 20 Go de 4G. Telium a pu stream ces derniers temps et ça fait vraiment très plaisir, on espère en voir plus. La Apex Clan se lance dans le multigaming, et oui, vous ne rêvez pas, la plus grande team performance code se lance dans le multigaming. Honnêtement, je ne sais pas vraiment si cela va marcher, car Apex sont connus pour leur carnage sur Call of Duty, et non leur carnage sur des jeux comme CSGO, Overwatch, H1Z1 et Battlefield 1. Bonne chance à eux quand même, je pense qu'ils en auront besoin. Un nouveau départ pour la... Oui, c'est incroyable. Je sais qu'on en a déjà parlé dans le dernier JDLP, mais c'est quand même une information à souligner. Ils font quasiment une vidéo par jour et elles sont vraiment très bien faites. Ouais, bon, bah, tu l'auras ton chèque, hein. Tu vas voir, enfoiré, va. Ta gueule, toi. Un petit peu de fun, un petit peu de Call of Duty, enfin, tout ce qu'on aime. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la My Way, ce qui m'étonnerait énormément... Allez vous abonner, ça promet vraiment du très très lourd. Je me permets de vous dire juste une chose, si elle a On My Way, vous regardez cette vidéo. Pour la vidéo, le mode affecté arrive sur Black Ops 3 PC. En fait, il était là depuis cet été, donc arrêtez de nous refourguer des vidéos de plus de 6 mois, parce que franchement, là, ça fait vraiment nul à chier. Mais sinon, très très bon contenu, je vous invite à aller le regarder. Bon alors, t'as fini de faire chier avec le On My Way, là, sérieux? S'il te plaît, parce que là, oui, on a compris, c'est bien et tout, mais ça saoule à un moment, bordel. Oh, mais c'est bon, là, arrêtez de me faire chier! Concernant la Aria Cup qui s'est déroulée la semaine dernière, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la AWAC qui a gagné le tournoi. Je vous invite vraiment à aller checker leur chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Elle sera dans la description de la vidéo. Je tiens aussi à les féliciter pour les 3000 abonnés. Ça fait vraiment plaisir de vous voir à stade et continuer comme ça, vous le méritez. Bon, tu vas arrêter de sucer toutes les autres teams là ? Donc cette semaine, pas de court-métrage pub stomping, je n'ai vraiment pas le temps de vous en réaliser un, les BG. Mais ne vous inquiétez pas, laissez un gros like sur cette vidéo et s'abonner à l'Aria et à ma chaîne personnelle. Augmente les chances d'avoir un court-métrage pub stomping dans le prochain JDLP. J'en profite pour faire ma petite pub, hein, parce que ma chaîne sera en description pour ceux qui veulent aller checker. Par contre, on perd pas les habitudes prises avec Panda, on va regarder les uploads de la semaine.
On commence comme d'habitude par la Apex Clan qui nous a fourni assez peu de vidéos cette semaine puisqu'ils n'en ont sorti que 3, ce qui est assez dommage. Mais ils font des streams assez régulièrement, ce qui compense un peu le manque de vidéos, donc GG quand même à vous. Deux vidéos proposées par Know You Rage, ce qui est assez décevant pour une team à tout de même 81 000 abonnés. Vous allez me dire que c'est presque pareil que la Apex Clan, mais la Know You Rage ne propose absolument aucun stream, ce qui est vraiment dommage. On ne va pas changer les blagues, pas terrible, de Panda. Donc on va voir du côté obscur, et on peut voir qu'ils ont posté 5 vidéos, ce qui est quand même pas mal. Même si c'est pas une base régulière, ça fait quand même plaisir. Alors on passe en mode autofellation, oui, puisqu'on va aller voir les uploads de la Aria Clan. Pensez bien que comme je suis dedans, je vais pas vraiment dire du mal, et je pense que de toute façon, si on est un minimum objectif, on peut rien dire sur les uploads de l'Aria Clan, puisqu'on reste sur une base de 1 vidéo par jour, donc on est à 6 vidéos, sans compter le dernier JDLP. Pour la On My Way, on a 6 vidéos, ce qui est vraiment pas mal pour une team qui reprend du service, et on peut aussi remarquer qu'ils commencent à faire des streams, ce qui est vraiment cool. Si un jour on avait un petit Belloum en train de stream, je pense qu'on se taperait vraiment des grosses barres. Donc pour la For The Win, on est sur du 7 vidéos, donc une vidéo par jour, ce qui est juste parfait. Pour la Titanium Clan, on est sur du 2 vidéos, ce qui est vraiment minuscule, j'espère que vous allez en produire plus. Pour la Awak Clan, donc encore une fois, GG pour vos 3000 abonnés. Et pour ceux qui aient des uploads, on va dire mention très bien, puisqu'ils ont posté 6 vidéos, ce qui a un bon rythme de vidéos. Du côté de la Riser Clan, 7 vidéos postées en 6 jours, ce qui est un très très bon rythme. Juste un petit conseil, changez vos minias parce que les dernières c'est toutes les mêmes et au final on s'y retrouve plus. On ne change pas les habitudes, on va vous proposer une team de moins de 1000 abonnés qu'il faudra aller voir. Donc je vous présente la Carbon Clan, une team dirigée par mon ami Skyzox qui a 500 abonnés et qui en mérite beaucoup plus. Voilà les amis, le JDLP est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la Aria Clan, à laisser un petit j'aime sur la vidéo si celle-ci vous a plu. Moi je vous dis ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Yator.